J'ai vu un post de Stéphanie Cadeau là. Voilà, elle disait quoi ici? Attends, y a, voici son post encore là. J'ai vu ça hier. Hey, toi, Aya Obela, frère, si tu as taclé champion dans tes affaires là, tu vas voir. Vous n'avez pas dit que vous, quand vous avez problème avec quelqu'un, vous laissez la personne, c'est son enfant, vous attaquez. J'espère. Sinon, moi, mais il est sorti sur toi, bleu. En tout cas, c'est une perdue, c'est Stéphanie là. Donc, j'ai vu son poste ici. Elle dit quoi? Avant, tu es passé, puis j'ai vu le poste. Elle dit, les stars, Leslie et Sylvia, concentrez-vous sur le boulot pour faire entrer vos enfants. On dit, c'est pas mon problème. Par contre, je vais lire à la manière de Aya. Je lis à la manière de Aya. Aya dit que non, elle sait lire. Quand elle est seule, elle lit bien. Mais quand elle est devant les gens, elle sait plus lire. Elle est paniquée. Mais quand c'est pour insulter les gens, là, elle n'est pas paniquée. Mais quand c'est pour répondre à tout et n'importe quoi, là, elle n'est pas serrée sur les étrangers. Oh. Je stresse à votre place. Ma chérie, est-ce que tu as besoin de stresser à leur place? Hein? Est-ce que tu as besoin, la vie des autres, là, elle gère ça bien comment? C'est-à-dire que sur Facebook, là, même, vous faites exprès. Moi, c'est la page là qui me fait mal. Hein. Facebook, là, il faut exprès. La vie des autres, là, vous gérez ça bien. Mais les autres, là, ils ont fait quoi et puis on gère leur vie bien. Question. Hein? Qu'est-ce que les autres l'ont fait et puis on gère leur vie bien? Mais c'est parce qu'elles ont fait quelque chose qu'on parle. Nous-mêmes, on est sur Facebook, là. On vient se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Voilà, toi, cadeau comme ça, Stéphanie, cadeau. Mais tu es sur la toile, là. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, non? Donc, pourquoi quand Sylvia et puis Aïe, Sylvia et puis Leslie aussi sont en train de se mêler de ce qui ne les regarde pas, mais ça vous dérange, quoi? Sincèrement. Pourquoi ça vous dérange que je stresse? Tu stresses pour eux, pourquoi? Hein? Stéphanie. Tu stresses là, c'est pourquoi? Les enfants là, ils sont en Afrique là-bas chez leur maman. Ben, vous stressez pour moi, je comprends pas quoi. Parce que tu es en Europe, il faut forcément que ton enfant aussi soit en Europe. Aïe! Si tu t'es pas encore retrouvé là, c'est une obligation. Ton enfant en Afrique là-bas, tu gligles ici. Notre continent, c'est notre pays. Mais soyons fiers de ça. Sincèrement. Ils sont venus se chercher. Mais si ils ne sont pas encore retrouvés, vous êtes là en train de les stresser matin, midi, soir. Renvoyez vos enfants. Renvoyez vos enfants. Mais les filles là, elles se battent comme elles peuvent pour envoyer un peu d'argent à leurs enfants. Les enfants ne meurent pas de faim. Il y a quoi? Vous-même, vous savez que en Europe ici, là, c'est pas facile quand tu es mère seule. Hein? Au moins, si c'est des personnes qui étaient mariées en couple. Bon, Leslie, elle est mariée en couple, mais quand même. Hein? Deux femmes mariées. Bon, l'enfant même va venir, même là. C'est quelle éducation même? Deux femmes en couple. Sérieux. Bon. Hein? Et puis les gars ne se sont pas encore retrouvés. Elle a encore titre de réfugié. Quand tu as titre de réfugié là, hein? Quand tu as titre de réfugié là, c'est-à-dire que vous faites exprès. C'est ça qui me fait mal quoi. Vous faites exprès. Vous venez faire des postes rien que pour qu'on vienne insulter les gens. Et puis ça vous plaît, hein? Alors, quand tu fais poste comme ça, quelqu'un qui a titre de réfugié, toi et puis les îles, vous n'avez pas le même problème. Toi, vous êtes là, vous stressez le monde avec ça. Comme si les enfants là même sont là-bas, là, ils ne mangent pas. Ils meurent de faim. En Afrique, là, ce n'est pas école d'Afrique là-bas que les gens ont fréquenté jusqu'à. Ils sont devenus choses. On dit les enfants là, ils ont jusqu'à 18 ans pour venir. Ils ont tout le temps. Les enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans là. Hein? C'est ça là qu'on ne peut pas respirer. Ah, c'est ça.
toujours entendu parler de boulot des gens. Allez-y travailler. Mais elle-même, on ne la voit jamais travailler. On la voit là, dans sa maison, en train de faire ses rues. Mais elle nous montre jamais. Sylvie, au moins, elle nous montre son travail. Leslie aussi, elle nous montre ce qu'elle fait. Elle est gogo danseuse. Elle s'en va danser dans ses boîtes de nuit. Elle a ses contrats de boîtes de nuit, même si ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie. Mais c'est faisable, voilà. Si les gens le font. Ça veut dire, si ça existe, mais c'est pour que les gens le fassent, non? Donc, si les gens le font, même si notre communauté, même si c'est pas des métiers où on apprécie, mais du moment qu'elle gagne sa vie dedans, mais bon, c'est son choix. Sylvie aussi nous montre son travail. Quand elle au travail, elle nous montre dans sa tenue, tout. On sait où Sylvia travaille, on sait ce que Sylvia fait. Mais toi, tu es là, tu parles, tu roules dans Range Rover, tu es dans jolie maison, mais on n'a jamais vu ton travail. Montre-nous ton travail, là, on savoir que non. Tu es là, tu... Elles ont dit qu'elles ne veulent pas faire venir leurs enfants. Hein? Elles vous ont dit, elles ont fait vidéo une fois pour dire qu'elles ne veulent pas venir. C'est pour ça que vous stressez les gens. Et puis, si on veut regarder vos bouches, là, les filles, là, vont faire venir leurs enfants. Et puis, après, c'est elles qui vont souffrir. Hein? Après, c'est elles qui vont souffrir. Ici, là, c'est pas facile, hein? C'est pas facile avec les enfants. Quand on vient en Occident, là, hein, les enfants, là, ils sont au pays, là-bas, avec les parents, là-bas. Où est le problème? L'enfant au pays est ta maman, tu grouilles ici. Tu as eu l'argent, mais tu en vois. L'enfant n'est pas malheureux. Hein? Si ton enfant avec sa grand-mère, là-haut, tu inquiètes pourquoi? Tu inquiètes pourquoi? Au moins, si les enfants sont avec, peut-être, les tantes, les quoi, puis l'enfant dit, on me maltraite. En ce moment-là, on peut dire, ah, je suis inquiète, il a fait venir mon enfant vite. Mais vous faites venir les enfants rien que non, pour les beaux yeux. Les gens n'ont qu'à dire au quartier que oh, l'enfant là, est parti en Europe, c'est tout. Et quand l'enfant vient maintenant, c'est la souffrance. Tu peux même plus aller travailler, chercher l'argent fort. Parce que l'enfant est là. Tu peux laisser ton enfant jusqu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans. S'il vient là, au moins là, il peut rester seul à la maison. Vers les 6 heures, beaucoup là-bas, elle appelle la fille. Elle dit, ah, réveille-toi. L'appétit se lève, elle s'apprête, tout. Elle s'en va à l'école. Elle s'occupe même de ses autres petits frères qui sont là. Le temps qu'elle rentre, et puis elle dépose le plus petit à la garderie. Voilà. Donc, quand les enfants sont un peu grands, mais c'est plus facile, quoi. Donc, si on accepte chance là d'avoir encore nos mamans qui vivent, qui sont en Afrique là-bas, qui vont s'occuper de leurs petits-enfants. Mais où est le problème même? Ça aussi, c'est devenu injuste sur le méta. On peut plus parler dès qu'on parle net. Fais venir ton enfant. Et puis ton enfant en Afrique. Et puis, comme si l'Afrique là même, il y a caca là-bas. Il y a quoi là-bas? En Afrique là, c'est quand tu n'as pas l'argent que tu souffres. Sinon, si tu as l'argent, tes parents vivent. Ton enfant est chez lui. Tu travailles ici fort, tu payes ses études, tu le mets dans de bonnes conditions. Mais l'enfant même est plus épanoui. Sérieux. Parce qu'en Afrique, là, il joue. Il avait des amis. Il court dans tous les sens. Ici, là, on fait quoi? Vous précipitez, vous envoyez les enfants. Je ne parle pas des enfants qui sont nés ici. Ça, c'est un autre cas. Mais les enfants, vous précipitez, vous venez vous chercher. Et puis vous précipitez, vous les envoyez. Maintenant, l'enfant même est là, il n'a même pas d'espace pour jouer. Il est collé sur ton dos, partout où tu passes, tu le trimbales. Vous pensez, c'est bêtise. Toi, demain, tu es radié. Demain, ils vont venir me mettre haute internet. Toi, il faut faire des grimaces là. Demain, tu seras jeté à la poubelle. Demain, ils vont tout débrancher. Donc, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, élevons un peu le débat. Moi, ça m'énerve, quoi, de voir, on attaque les gens sur des trucs bêtes. Hein? Ça aussi, c'est devenu injuste. Dès qu'il parle à quelqu'un d'être là, ton enfant. Et puis, ton enfant, et regardez, chose même, Sentinelle même, elle est la plus bête. Oui, ton enfant, là, il est en Afrique, là-bas, et puis, poussière entrée dans ses narines. Toi-même, t'es grosse. Il ne savait pas quel injure pour lui donner. Quand tu étais en Afrique là-bas, là, poussière rentrée dans tes oreilles. Ah, non, arrête.
arrêtez de trucs. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes venu en Europe que vous allez, ceux qui sont en Afrique là, c'est comme si ah, c'est ça. Si l'Afrique était si mauvaise, là, vous êtes là, là. L'Afrique est mauvaise. Donc, vous, non. Eux, là, non. Eux préfèrent que, non. On abandonne des enfants en France. Pour aller, ça. Hein? Vous, eux justifient que c'est normal qu'une personne abandonne ses enfants en France. Des pays qui sont réglementés, où la loi dit ça, où on peut venir arracher tes enfants, ou quoi, là. Eux, ils trouvent ça normal. Quand on dit que non. Emmanuel Keïta, pourquoi tu allais t'asseoir en Afrique? Tu as laissé tes enfants dans la main de nounou en Europe, là. Eux viennent défendre ça. Que c'est normal. Où est votre problème? La fille allait se chercher. Sa vie chagne. Nye, 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 nye. Eux défendent ça. Maintenant, les autres aussi sont, ils ont laissé leurs enfants dans la main de leurs parents là-bas. En Afrique, là-bas, pour venir se chercher en Europe. Ce qui est normal, ce qui est logique. Parce que quand tu viens te chercher en Europe même là, franchement, l'idéal même là, c'est de laisser l'enfant même en Afrique là-bas. Toi seul, tu vas venir gris-gras. Et quand c'est bon maintenant, tu fais venir l'enfant. Ça c'est la logique, ça c'est normal. Eux trouvent que ça là, c'est pas normal. Mais pour Emmanuel Keïta qui abandonne ses enfants, qui entend des fanfaronner en Afrique, on sait même pas ce qu'elle cherche là-bas. Depuis elle est partie, là, on voit rien d'extra. À part seulement venir faire émission à la télé une fois par semaine. Hein? On parle même pas de tous les jours. Hein? Moi, c'est la partie de la main qui me fait mal. Si c'était... Les enfants là se retrouvent dans la rue, ils se retrouvent, ils deviennent truc. Parce que toi-même, ton équilibre. Hein? En tout cas, c'est vrai. C'est vrai. Elle pense que tout le monde est malheureuse. Parce qu'elle-même, là, quand elle était en Afrique, parce qu'elle a galéré. Ça, c'est les gens qui réagissent souvent, c'est les gens qui ont galéré en Afrique. Donc, ils ont vu, elle a vu France comme ça, là, ouf, ouf. Hein? Donc, voilà. Ces personnes-là qui se précipitent, elles font venir les enfants. Et puis après, il n'y a pas d'équilibre. Et puis après, les enfants deviennent délinquants dans la rue, là. C'est ça, là. C'est les personnes, ça, là. Parce que quand toi-même, tu es venu, quand toi-même, tu viens, là, il n'y a qu'un stress. Toi-même, tu es déjà stressé, en train de courir, chercher papier, tourner ici, faire les démarches, tout ça, là. Tu vas prendre stress encore de l'enfant, encore, pour compléter ce pour toi. Donc, tu restes tranquille. Et c'est l'avantage qui est là quand tes parents vivent. Quand tes parents vivent, parce que souvent, même, là, on vient ici, puis on a des enfants, puis on parraine encore nos parents pour venir s'en occuper. Donc, si les enfants sont déjà dans leurs mains en Afrique là-bas, ça fait quoi? C'est ça, oui, le système n'est pas facile. Toi-même, tu as été couru. L'enfant, hein, tu as été couru. Ils ont largement suffisamment de temps pour s'intégrer. Au lieu de rester ici à être sur ordinateur matin, midi, soir, coincé, ils sortent même pas, ils jouent même pas. Ils sont renfermés comme ça sur eux. Hein? Non, mais sérieux, c'est énervant. Hein? C'est énervant. Quand les gens sont au pays, les enfants, cette année-là, qui ne fout pas qu'elle est partie au pays, ses enfants. Ses enfants ne voulaient même plus venir. Elle dit là-bas, là, tellement que les enfants étaient épanouis. Elle-même, elle est venue, même là, elle dit, oh, et toi, j'ai même plus envie de rester au Canada, j'ai envie de retourner. Hein? Tellement que même là-bas, la famille, tout, ils sont épanouis. Les enfants même couraient de gauche à droite. Hein? Ils s'amusaient. Les enfants même là. C'était leur première fois de partir, mais ils ont tellement apprécié. Non, ça fait plaisir, quoi. Il y a de l'espace. En Afrique, c'est quand tu n'as pas l'argent que, voilà, tellement que galant, t'es nimi là, tu rêves, tu as envie de venir. Mais une fois que tu es ici même et puis tu as le moyen là. Quand tu vas même un peu en vacances en Afrique, mais tu n'as même plus envie de venir. Parce que tu as les moyens. Tu vis la belle vie. Il y a du bon temps. Hein? Tu marches dans la rue, tu vois du monde. Tu. Non. C'est intéressant, quoi. Intéressant. Donc, laissez les enfants là, vont profiter.
Nous tous là, on a eu visa, on était pressés, pressés, en train de courir pour venir même. Tu arrives ici même. Tu as profité, profité de la belle vie, du bon soleil, s'épanouir, courir un peu partout, partout, tranquille quoi. Et quand ils viennent maintenant à un certain âge, 15 ans, 14 ans, mais ils comprennent la situation. Ils comprennent et puis parfois, l'intégration aussi se fait facilement parce que ils comprennent. Mais quand tu les fais venir vite même là, hein, tu es là, tu souffres. Tu peux même pas travailler. Tu peux même pas vaquer à tes occupations. Tu t'en au travail net là. On t'appelle là-bas. Oh, ton enfant a toussé. Il est malade. Oh, viens le chercher. Tu laisses travail, tu cours. Tu viens le prendre. Tout ça, hein? C'est fatigant. En Afrique, là, c'est quel enfant qui va à l'école, il est malade. On dit, viens le chercher. Hein? Souvent, là, on dit, l'enfant rentre à la maison. Il s'en va à la maison tranquillement. Ou bien, voilà. Mais ici, là, tout ça, là, c'est stress. Ah, tu n'aimes pas me voir dans le noir, non. Non, je suis couché un peu. Il y a sommeil. Je suis arrivé. Je dois aller au travail tout de suite, là-même. Comme je suis couché, là, c'est pour cela. Sinon, moi-même, j'aime pas vidéo dans le noir. J'aime pas trop. Hein? J'aime quand on voit ma face. Donc, si vous n'avez rien à dire là, taisez-vous. Arrêtez. Parce que moi, quand je tombe sur ces vidéos-là, ça m'énerve, quoi. Attendez, on va écouter un peu Sentinelle. Désinfectant, franchement. Elle-même là, une peureuse comme ça, elle a eu par là, ben elle laisse, elle a fui. C'est éca, c'est défense d'éca. Vous voyez, non, c'est comme ça les peureux se comportent. Parce que quand Emmanuel Keïta et puis Leslie faisaient leur clash ici, et puis elle était Leslie là. Elle défendait Leslie, hein. Elle n'aimait pas Eka, elle défendait Leslie. Jusqu'à ce que même ils ont pris son enfant, ils ont affiché tout ça. Maintenant, vu que elle et puis Leslie s'est gâtée là-bas et que elle peut pas attaquer Leslie directement. Donc voilà comment elle passe comme ça, hein. Voilà, c'est une manière, Jean, quand Leslie l'a fait ça là, vous voyez, c'est une manière de lancer des piques à Leslie, parce que c'est une lâche. Moi, c'est ce que je lui dis, c'est Sentinelle. Donc, quand je la vois en train de se muscler comme ça sur cette histoire, même qu'il la regarde pas, ni de loin, ni de près, mais elle me fait pitié parce que je dis rien. Elle entend c'est une manière d'envoyer des piques à Leslie comme ça. Parce que elle, c'est une lâche. Elle ne peut pas affronter Leslie directement. Donc, en allant défendre, en allant manger son vomi, Emmanuel Keïta, que, des gens même sans dignité. Ça veut dire la fille ne vous calcule pas. Elle vous a jamais posté. Elle vous a jamais demandé pardon. C'est l'échantillon de son parfum qu'elle voulait mettre sur sa boutique, dans sa boutique. Donc, elle a réagi par terre. Depuis qu'on quitte avec Cuba dans la cuisine pour faire pic. C'est-à-dire que. C'est où même? Où est devenu le président, le futur broker de la Ecarab? C'est lui qui va remplacer le vieux qui ne sert pas à maudire ses ancêtres. Lui qui n'a pas de talent, c'est qui qui se lâche en remplaçant dans le broker? Il y a tellement de gens. Oh! Où a-t-il? C'est qui qui est broker? Donc, tu as échoué, tu as tapé pour toi. Moi, je suis là ce soir pour te dire à toi, Odin, que il faut voir ton cas. Les sucrologues, on dit bientôt, ils vont interdire les sucrologues en France. Où tu as encore de l'énergie? Il faut prendre un sucrologue. Ça là-bas? Vraiment des gens. Quand tu. Ça, là, c'est vidéo aussi, on doit écouter. Quand la vérité, on est qu'à reconnaître que le lièvre court vite. C'est qu'elle dit moi, qu'elle quand court j'étais vite. Mon père, là, qui était la seule vilaine camarade de ma maman, toutes ses camarades sont jolies. Faut pas on va mettre. Tous les camarades de ma maman sont jolies. C'est moi seul, j'étais vilaine d'État. Donc, on est qu'à appeler chien-chien, on est qu'à appeler chat-chat. Des bêtises seulement. Franchement, on est qu'à appeler le chien-chien et puis le chat-chat. J'étais la seule vilaine dans le pays de ma maman. Elle dit quoi? Tu aurais fait sélection, là. On dirait casting, tous. Il ressemble à des gens qui ont tourné un film d'horreur. Dans la barre. Ok, joli. C'est quoi joli? Et Kara, elle est plus, elle est plus, et Kara est plus jolie qu'Ekibé. Et puis on ne peut pas respirer, là. Ils ont mis sa vieille photo ici de son vieux visage, là. Vous. Non, réseaux sociaux, c'est quelque chose, hein. Non, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. À un moment donné, il faut arrêter. Mais c'est ça, mais c'est ce que Sylvia leur dit, non? Sylvia, moi, j'ai déjà vu plusieurs de ses vidéos où elle dit que elle a, son enfant est bien là-bas, tout et tout. Même si elle fait enfant, quand même, elle va aller déposer en Afrique. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'ils comprennent pas?
Eux, ils pensent que c'est tout le monde qui a envie que l'enfant soit dans ses pattes en train de courir, courir. Toi-même, t'es en train de courir. Enfant aussi en train de courir. Vous courez tous et puis, hein? Moi, je comprends pas quoi. Moi, en tout cas, je suis pour les personnes que non. Ils viennent et puis ils laissent les enfants tranquilles là-bas. Et puis quand ils sont prêts, ils s'en vont les chercher. Et c'est pas pour les personnes qui sont stressées. Bon, je peux comprendre si peut-être tes parents ne vivent pas, hein, et que tu as laissé tes enfants, tu es stressé pour aller les chercher. Je peux comprendre. Mais si tes parents vivent, ta maman vit, ton papa vit, tes parents sont là-bas. Mais les enfants sont bien là-bas. Tu travailles, tu gagnes l'argent, tu les envoies, ils s'occupent bien de tes enfants. Tout simplement, quoi, tu payes l'école, tu payes tout ce qu'il faut. Où est le stress qui est dedans? Et toi, tu es ici, tu te cherches. Le jour que tu te sens prête, et l'enfant aussi, tu laisses le temps à l'enfant aussi de grandir un peu, quoi. Voilà, de grandir un peu, d'être autonome. Et puis, il vient maintenant à 15 ans, 14 ans, 15 ans par là, ou 16 ans par là. C'est bon. Il vient, il est autonome, et puis bon, il s'intègre tranquillement. Voilà, dans tous les cas, là, l'enfant va venir. Du moment qu'il est dans tes dossiers, tout et tout, là, il va venir. Donc, où est le stress qui est dans ça? Franchement. Laissez les gens vivre un peu. Si vous n'avez rien à dire, payez-vous sur Facebook, quand vous gagnez quelque chose là, on ne peut plus respirer. Ton enfant au village, oh, et puis au village là-bas, là-haut, et puis c'est comme si, oh, et puis comme si au village, là, les gens ne vivent pas là-bas. Les gens vivent au village, non. Ils sont morts. Ils ont quoi? Donc, parce que tu as bengué là, tu n'as plus droit à vivre au village. Non. Qu'on n'a rien à dire même là. Est-ce que c'est forcé de parler ou bien c'est forcé de déclencher quelqu'un? Tiens. Odin, c'est maintenant que je vais m'occuper de toi. Ça, c'était mise à la tête. Ouais, faut t'occuper Toi, d'Odin. tu veux partir bêtre, Aya, et puis incapable. Foutez-vous D'accord? quand? Il y a moins Tu des as fait gens tout bêtes comme possible. ça. Ça n'a pas marché. Et quand tu as montré que. Il y a des raisonnements. Et quand tu as montré qu'elle n'est pas camarade avec toi. Aya t'a montré qu'elle n'est pas camarade, elle est intelligente. C'est pas Aya d'avant. Aya de maintenant, elle est réfléchie. C'est pas Aya d'il y a pas Réfléchis qu'on la dans met quoi? petit petit sur le bas. Elle sort maintenant. Aya prend son temps pour réfléchir avec les preuves avant de parler. Qui nous est devenu le président, le futur broker de la E40? C'est lui qui va remplacer le vieux qui ne sera pas mordu ses ancêtres. Lui qui n'a pas de talent, c'est Kirou qui sera son remplaçant dans le blog. C'est Kirou qui a devenu maintenant du mettre les cœurs, partagé. Ça C'est fait Kirou qui est pitié, hein? mauvais. Donc, Il faut défendre tu as forcément échoué, tu as Emmanuel tapé Keïta pour dans toi. les te faire des choses là. Mais pourquoi tu parles pas, Leslie? Pourquoi tu la défends plus? Défends-la! Hein? C'est pas la même chose là que vous reprochez à Sylvia. Mais c'est pas la même chose là que toi aussi tu as fait avec Leslie. C'est pas toi qui défendais Leslie ici. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé puis tu défends plus Leslie? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu défends plus. Toi qui es normal, et puis toi, psychologue, peux pas te soigner aussi là. Va, continue de défendre Leslie. Malgré tout ce que Leslie t'a fait là, tu la défends seulement. Défends-la. Dis que, oh, Leslie, insulte-moi, oh. Dis que je t'ai critiqué, oh. Dis tout, oh. Moi, je te défends. Mais toi, tu as arrêté de défendre Leslie. Pourquoi? Parce que Leslie t'a fait quelque chose, parce que y a eu des incompréhensions. Même si tu n'es pas sorti pour clasher Leslie, mais tu es dans ton coin. Voilà, tu es dans ton coin. Donc, le fait d'être dans ton coin et que tu défends plus Leslie, mais ça veut dire que quelque part, tu as mal. Hein? Ça veut dire que quelque part, tu as mal, non? Voilà pourquoi tu parles plus. Donc, chacun a sa manière de digérer sa colère, de digérer sa douleur. Toi, tu as préféré que ta douleur soit muette. Voilà, tu dis, ah, je parle pas. Mais c'est dans ton cœur, toi et puis Leslie, vous ne vous parlez pas, tu la défends plus. Et ils vont abrutir toute la toile avec leur bêtecologie, là. Est-ce que c'est Sylvia qui a porté plainte même contre Aya? Moi, je comprends pas. Tu veux cogner tête de Aya avec Sylvia. Et tu veux cogner tête de Aya avec Eka. Aïe! C'est Eka qui a porté la plainte. Donc, à Sylvia, quoi avoir dedans? Sylvia, elle est sortie juste pour venir se moquer de Aya pour dire, ah, moi, j'ai pas encore reçu mon truc, oh. Toi, tu as reçu pour toi, oh. Elle est venue se moquer de Aya, qui n'a rien à voir avec Emmanuel Keïta. Moi, franchement, j'ai du mal à comprendre ce raisonnement-là. Et puis, tout ça, ils se suivent comme des moutons, hein. C'est pour ça qu'on les appelle vraiment moutons. Parce que quand elles commencent là, et tout, elles prennent, et puis, elles sortent, elles font vidéo, et puis chacun répète la même chose.
C'est Eka qui a porté plainte contre Aya. Sylvia n'a rien à voir dedans. Que Sylvia ait sa convocation ou pas. Ça change quoi dans la plainte? Hein? Ça change quoi? C'est Sylvia qui va juger Aya ou bien c'est Sylvia qui a donné le verdict final? C'est Eka qui a fait appel. Et aujourd'hui, ils vont reprendre encore un autre procès où Aya va débourser de l'argent pour payer un avocat. Voilà le vrai point. C'est là se trouve le sujet. Maintenant, vous êtes là. Non, tu veux cogner tête de Aya et puis Emmanuel Keita. Il faut attaquer dans ces Eka pour dire non. Comme tu es réconcilié avec Aya, mais retire, voilà quoi. Au moment où tu faisais l'appel, toi et puis Aya, vous étiez en palabre. Maintenant qu'aujourd'hui, toi et puis Aya, vous êtes en bon terme, bon, retire la plainte et puis passons à autre chose. Voilà ce que vous devez dire. Mais on ne sait pas de quoi vous parlez. Non, tu veux mettre Aya et puis Sylvia en palabre. Hein? Aya et puis, comment ça s'appelle? Eka. Mais Aya et puis Eka se sont réconciliés là. Ça fait combien de mois? Vous avez vu Sylvia intervenir dans les réconciliations? Vous avez vu Sylvia intervenir depuis, ça fait combien de temps? Depuis autant de Laurentia Glams où Aya est sortie, fait ses conneries, prendre des défenses bêtes là. Vous avez vu Sylvia dire quoi? Donc, quand Sylvia est sortie là, elle c'est juste pour venir dire que Aya, tu as reçu ton truc. Moi, je n'ai pas reçu. Bon, moi, j'ai pas vu la vidéo mais de Sylvia parce qu'elle a supprimé après. Sinon, j'allais aller voir, mais qu'est-ce qu'elle a dit au juste? Donc là, hein, c'était juste pour venir se moquer de Aya pour dire, ah, moi, j'ai pas encore reçu pour moi, oh, toi, tu as reçu pour toi, oh, voilà, voilà, voilà. En même temps, vous avez pris ça. Parce que elle est sortie faire un post à la conci Snap pour dire que je ne sais trop quoi. Vous avez pris ça en même temps, manger, à faire quoi là? Vous aussi, vous prenez et puis vous venez, non? Hein? Donc, c'est la même chose à vous tous, à vous êtes dedans. C'est la même chose à nous tous, on est dedans. Voilà. Toi-même, Sentinelle, c'est parce que tu allais regarder que tu es en train de parler, non? Donc, nous tous, là, quand on se réveille matin, là, on prend notre téléphone et puis on s'en regarde. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Et puis, on vient décortiquer, tout simplement. Donc, nous tous, là, on s'occupe de la vie des autres. Parce que ce que toi, tu es en train de faire, là, c'est t'occuper aussi de la vie d'autrui. Et puis, tu l'as chouette. Moi, je ne vais pas snap de l'Eka. Je n'ai pas son snap. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Moi, mais je ne regarde pas Snap déjà comme ça, c'est rare. Toi, maman Sandrine, qu'elle te donne cocotta là, non? Toi, t'as pas dit que tu m'énerves, toi, maman Sandrine, t'es bêtise, d'accord? Quoi? Quand tu étais là pour combattre l'harcèlement. Mais ce que vous faites aux autres aussi, là, c'est, on appelle ça comment? Ce que la Ekalandais fait aux autres, là, on appelle ça comment? On appelle pas ça l'harcèlement aussi. Ou bien l'harcèlement, là, c'est chez vous seulement que ça se passe. Donc, toi, maman Sandrine, toi, tu sais pas que la Ekalande aussi, là, ils harcèlent les gens. Ils insultent les gens aussi. Voilà Laurentia ici. Je te donne même le cas de Laurentia. Laurentia parle plus. Elle est sur sa page là-bas. Elle est en train de faire ses TikTok. Elle est en train de faire ses affaires. Elle parle même plus de manière Keita. Mais va voir sur les choses. Hier, je joue. Mais j'ai vu le poste de Zéo. Au fait, je voulais sortir même si Zéo même. Quand j'ai vu son poste, j'ai dit, mais elle raconte quoi? Voilà ce que moi je combats. Voilà ce que moi je comprends, parce que ce qu'il faut à Laurentia là, on appelle ça aussi l'harcèlement. Voilà, l'harcèlement là, c'est pas une manière Keita seulement on fait. Mais eux aussi là, ils harcèlent les autres aussi. Donc les autres là, on doit pas les défendre. On doit pas les défendre, on doit toujours défendre les manières Keita. Elle a harcelé par qui et puis elle là, on va la défendre. Ah mais c'est mon blog qui t'intéresse, mais c'est le blog là que je suis en train de faire. Donc pourquoi tu me dis que toi, ton rôle là, tu dis que tu étais là pour l'harcèlement. Mais c'est ce que je suis pour combattre l'harcèlement. Mais c'est l'harcèlement là que je suis en train de combattre. Parce que ce que la Ekalandais fait là, c'est pas normal. Voilà. Le jour que tu vas voir que Sylvia aussi fait des choses qui me plaisent pas, mais je vais sortir sur Sylvia. Voilà, tout simplement. Moi, je n'ai pas de parti, hein. Moi, je défends. Toi qui es dans la vérité, je te défends. Mais je vois que dans cette histoire-là, la Ekalandais, ils ont fait trop. Tout simplement. Donc, viens pas me dire que... Tu dis quoi? Parce que tu as dit que tu as reçu ton truc.
Toi, moi, mon sang, toi, tu es calendaire. Il ne faut pas venir me blaguer ici. Toi, tu consommes tout comme ça. Une 13, c'est 60 ou 70 euros, 80 euros. On va là-bas. Bouquet de fleurs à la pluie. Il y a moins des gens bêtes comme ça. On peut fuir la justice. On peut fuir la justice. La justice veut t'envoyer, doit t'envoyer plainte. Toi, tu as dit que non, moi là, je donne pas mon adresse. Vous avez vu ça où? Qui peut fuir la justice? Hein? Si la justice veut lui envoyer adresse et plainte, mais elle va donner son adresse? Tiens! Non, mais sérieux, quoi. Ça veut dire qu'elle veut toujours s'accrocher sur des choses inutiles pour défendre des choses qui n'ont pas de sens. Qui peut fuir la justice dans un pays développé? Hein? Dans un pays développé, là, qui peut fuir la justice? Ils vont même venir... Oh, Seigneur. Franchement. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas intégrées. Voilà pourquoi ils sont là. Il faut faire venir ton enfant, faut faire venir ton... Ils ne sont pas intégrés. Parce que personne ne peut fuir la justice. La justice, là, elle s'impose à toi et tu dois respecter. Point bas. Il faut donner ton adresse. Tu as assis quelque part là-bas, tu cries, tu divagues. Tu aboies au bobo. Il faut arrêter de aboyer. Il faut donner ton adresse. Comme tu as l'habitude de le faire. Là. Il faut donner ton adresse. Maintenant, monsieur, comment il s'appelle, monsieur? Donc, avant où Emmanuel qui est envoyé, où elle a reçu convocation, là, elle avait donné son adresse sur Facebook et puis on lui a donné convocation. Comment des vidéos. Bon, moi, les bêtises comme ça, moi, j'écoute pas. Moi, les vidéos bêtes comme ça, j'écoute pas. J'avais vu la partie où elle disait quoi, la même là. Où elle parlait de l'enfant qui est au village, poussière, tout ça là. Mais moi, les conneries comme ça là, je n'écoute pas. Parce que elle n'a rien à dire. Voilà. Ils n'ont rien à dire, voilà. Là, et calendrier, vous donnez la paresse. C'est-à-dire, vous voulez toujours qu'on parle de vous. Vous voulez toujours qu'on parle de vous. Qu'on parle de vous. Et puis, au fond, vous avez des personnes bêtes comme les Aya aussi qui vous encouragent. Franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié, voilà. Je ne sais même plus quoi dire. Voilà, je ne sais même plus quoi dire. Parce que moi, je ne vois pas là où se situe le problème, hein. Qu'elle donne son adresse, oh. Qu'elle donne pas son adresse, oh. Que Sylvia reçoit sa convocation, oh. Que Sylvia reçoit pas convocation. C'est pas là se trouve le problème, au fait. Voilà. C'est pas là se trouve le problème. Le problème, c'est que Eka a fait appel, Aya est convoquée. Et aujourd'hui, Eka et puis Aya, les deux s'entendent bien. Bon. D'après eux, hein, ils sont réconciliés. Et les deux doivent aller faire un procès. Donc, en ce moment-là, la réconciliation est à quel niveau? C'est de ça qu'il s'agit. Yeah. C'est de quelle adresse encore vous parlez? L'avocat même est là. Aya même, ils ont eu conversation. Aya a eu conversation avec l'avocat, tout. Elle vous a tout montré. Bon, vous parlez encore de quel mail? Et puis, si Sylvia reçoit sa convocation, ça change quoi même au fait? Ça change rien. Dans tous les cas, Aya et puis Eka vont au procès. C'est là. Et puis aujourd'hui là, Aya et puis Eka, bon, d'après elle, à cause de Kilou, bon, je ne sais trop quoi. C'est là que vient le problème. Pour une personne que tu as défendue, pour une personne que vous vous êtes réconciliée, et tu te retrouves encore au procès encore avec cette personne. Bon, quelle sera ta défense? Puisque la personne à toi, tu juges bon que on la harcèle, on la fait ci, on la fait ça. Et toi, tu as décidé de passer à autre chose, de laisser tout tomber, de laisser tomber. Et après, on dit appel, que vous devez encore vous retrouver au procès encore. Bon, en ce moment-là, Aya prépare sa défense là comment? C'est de ça que nous, on veut... Voilà où vient le problème. Hein? Deux personnes qui se sont réconciliées, qui vont au procès. Bon. Affaire est compliquée, hein. Affaire est compliquée. Donc, c'est à vous, maintenant, les calendaires, là, de faire des vidéos pour... Je vois une Myriam Consulti aussi qui sort là-bas. Les boutons de la bergerie. Non, vous... Oh, toi, faut quitter, là. Bête fille. Moi, les vidéos bêtes comme ça, là, souvent, là, comme j'ai dit, là, c'est les pages des relais, là.
Attends, y aller voir. Francine Bat dit quoi dans cette histoire-là? Je ne sais pas. Y aller voir. Hein? Voilà Francine aussi qui allait poser là-bas. C'est Kilou qui va représenter sa maman au procès. Ah, ya, ouais, j'ai aimé. Hein? Ah, c'est que vous. Vous avez voulu créer entre ma fille et ma Juju et Kajou et tout. Ah, la bouton. Non, la bouton, vraiment, vous faites rire. Qui est? Voilà une encore aussi. Une mouton aussi. Qui sort aussi de la bergerie aussi qui vient. Hein? C'est que vous avez voulu créer entre ma fille et ma Juju a échoué. Mais sérieux. Mais ceux-là, ils sont bêtes, hein? Qui a voulu créer quelque chose? Ta Juju, on dit ta Juju a fait appel, elle est puis ça au procès. Maintenant, vous cherchez le bouc et mystère. Ce que vous avez voulu créer, ça a échoué. Vraiment. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Qui? On peut être bête comme ça. Hein? Sentinelle renchérie. Sentez ces blagues. Sylvia, long coup de psychologie sur notre tête, ça fait trop rire. Lisez la vidéo là jusqu'à la fin. Et retenez que le traitement d'un appel prend minimum 18 mois ou 1 an. Donc c'est normal que c'est maintenant que ça sorte. Je suis malade mentalement. Mais c'est normal que c'est maintenant que ça sorte. Mais ça change quoi au fait? Tu n'as pas clashé. Au fait, tu es malade. Tu es quelqu'un qui en manque d'amour. Hein? Depuis tout petit, tu n'as pas reçu l'amour que tu voulais. Au lieu aussi que tu es venu marier, c'est quelqu'un que les bangers ont cassé. C'est ça là que j'avais vu. Lui-même que tu as marié, lui-même 43e bimala, vraiment, il a trop sauté les clôtures. Parce que lui, les bruits de fusil l'ont rendu cinglé. Donc c'est ça là la défense des cas, mais ça fait piquer. Vraiment des raisonnements. Des raisonnements bêtes écologie. Elle t'a apporté l'amour que tu n'avais pas. Elle t'a apporté la chaleur. Elle est mouton. Elle t'a apporté, en tout cas, comme une soeur t'a pris dans son intestin. Donc dans ta vie. En tout cas, toutes les mêmes raisonnements. Nous, ça t'a rendu psychopathe. Elle faisait les coups des psychopathes. Sylvia, vous avez fait quoi même, en fait? Moi, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi même vous acharnez sur Sylvia? On dit c'est. Sylvia là, elle a son rembat avec Aya. Les deux gèlent rembat. Ce qui n'a rien à voir avec l'appel qui a été fait. On se questionne. Mais vous êtes là, vous tous, tu es psychopathe. Tu es comme ci. Tu es comme ça. Bon, ça change quoi d'affaire de Odeur? Odeur vous a dit que elle est déjà prête. Qu'elle reçoit sa plainte, qu'elle ne reçoit pas sa plainte, elle est prête. Elle n'a pas peur. Au moins, si c'est quelqu'un qui vient vous dire que, ah, Dieu merci, j'ai pas reçu la plainte là. En tout cas, bon, là, à ce moment-là, vous pouvez... Hein? Mais la fille dit que je reçois ma plainte. Moi-même, je veux même. Plainte n'a qu'à venir. On va aller encore s'expliquer encore. Maintenant, vous êtes là. Que tu es psychopathe. Que tu es ceci. Que tu... la mouton de l'Inde. Et quand vraiment, tu es perdu. Hein? Tu es perdu. Donc, c'est ça là qui est ta défense. Là. C'est ceux-là qui... Tu es perdu, oh, ma chérie. Et à démonter. Tu te dis que... Après, il me dit que ta personne ne peut t'aimer comme elle. Tu as accroché sur son string là comme ça. Tu as mis tes dents dans ce string là. Tu ne veux pas enlever. Si tu veux la laver, tu veux la. Tu veux tes toilettes, tes dents. On ne sait pas ce que tu veux de tes calfons. Dis-nous quel est ton problème exact. Foutez le camp. Quand on la laisse là, c'est vous encore qui provoquez les gens. Quand on la laisse là, c'est vous encore qui provoquez les gens. Voilà. Lorraine Saint-Glas l'a laissée. Elle est dans son coin, là. C'est pas vous, tous les jours, vous êtes là, vous la titillez là-bas. Vous envoyez les pics. Si elle était comme Sylvia, comme j'ai dit, là, chacun a sa manière de gérer ses affaires. Dissertation, zéro. Au sujet. Hein? Au sujet. Le débat, il est ailleurs. Actuellement, là, Aya est dans une affaire où elle-même, elle connaît plus sa position. Bon. J'ai fait la paix avec toi. Et finalement, tu m'amènes en cours. Tu as fait appel. Aujourd'hui, j'ai reçu ma convocation. On doit aller en justice. Voilà où se trouve le débat. Maintenant, quel est l'arrangement que Aya et puis Eka peuvent faire pour que... Voilà.
C'est là où vient le débat, parce que elle a fait un post sur Snap pour dire non, maman de Kilou, moi j'ai bon, j'ai pas vu son post, donc je sais même plus au juste qu'est-ce qu'elle a dit concrètement. Mais c'est un peu genre, elle aime Kilou, donc pour, elle n'aime pas Aya, mais elle aime Kilou, bon, les trucs bêtes, bêtes comme ça. Donc, à l'aile, voilà où vient le débat. Bonsoir, Marie Kaba. Est-ce que Eka, malgré la réconciliation, va continuer avec cet appel-là jusqu'à aller au procès, encore reprendre encore notre procès encore, ou bien elle va se dire, bon, vu que moi et puis Aya, on est réconciliés, donc je laisse tomber. Voilà, même si j'ai fait appel, mais vu que, bon, les choses se sont... Aya et moi, nous sommes réconciliés. Sylvia n'a jamais fait appel contre Aya. La personne qui a fait tout ça, là, c'est Emmanuel Keïta. Mais vous posez pas le vrai problème. Vous êtes là que non, les gens veulent mélanger Aya et puis Eka. Bon, qui les a mélangés? Qui les voit même, au fait? Depuis qu'elles se sont réconciliées, là, avant-hier ici, on vient nous parler des appels, tout ça, là. Ça dépoile qui? Ça dérange qui sur les réseaux sociaux? Qui vit pas sa vie parce que Aya a décidé d'être la lèche-botte de Emmanuel Keïta après tout ce qui s'est passé, après qu'on l'a envoyé en procès, elle n'a pas de dignité, elle vient se rabaisser, elle vient faire tous ces lèche-bottes là. Ça dérange qui? Ça dépoile qui? Hein? Mais là, on parle d'un vrai problème. Vous êtes là, vous déplacez le problème parce que vous avez peur que Aya ressorte si... Bon, je sais pas. Franchement, je vous comprends même pas même. Je sais pas de quoi même la Ekalander même parle. Sérieux. Quel est le problème exact? C'est-à-dire qu'au bout de deux jours, tu as vu Aya a laissé Eka en paix. Aya est dans son mood. Quand Eka a un souci, c'est que la soutient. Bim, tu t'es énervé. Bim, tu veux mettre le feu. Bim, tu veux créer ses amis. Parce que tu es un esprit de sorcellerie et de division, toi. On t'a ramassé dans le commentaire, on dit à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu deviens ma CP, tu deviens ma soeur, même si tu portes tes gifles en sort, même si tu as le visage compliqué comme si on y a assis sur toi, avec tes dents qui sont remplies dans ta bouche. Peureuse de grand chemin. toi, sentiment, quand tu te vois même, au fait, il y a pitié de toi. Depuis que non, tu n'as même pas pu affronter Leslie, là, tu me fais pitié. Mais on ne sait pas. Voilà, elle a son rabbin Leslie là-bas. Elle a mouillé maillot aussi pour Leslie ici. Jusqu'à Leslie l'a chuté. Un coup de pied dans le cul qu'on pouf. Leslie est venue casser ses papos. Leslie l'a traité ici. Elle n'a pas eu bouche pour parler. Mais quand c'est pour aller parler des autres, va régler ton problème là-bas. Hein, Leslie. Oh, honte à toi. Déjà, tu fais bouche, t'as pas force. Tu fais bouche. Toi-même, ton palabre est tombé ici. Hein? Espèce de fainéante, de peureuse. Depuis là, tu es une peureuse, voilà. Quand on parlait, là, moi, quelqu'un que j'ai défendu, là, vous, parce que vous, tout est injuste. Moi, j'étais défendu, mais si tu zailles, mais il t'a dit ton vrai nom, voilà. On va s'expliquer. Tout n'est pas injuste, tout n'est pas à venir. De venir jouer mes voix et tout ça sur les réseaux sociaux. Mais moi aussi, j'ai venu aussi m'expliquer aussi. Ça n'a pas resté comme ça, quoi. Mais tu n'avais pas pu t'expliquer. Tu n'avais pas pu rien dire. Leslie est venue, elle dit que tu es une tokwa, tu es une hypocrite. Tu finis de venir la défendre sur les réseaux sociaux. Oh, ma maman, nous venir t'insulter. Tu les regardes de haut en bas comme ça. Et puis tu te dis, mais ça vaut pas la peine. Parce que... Toi, tu mets le débat ici. Tu veux t'expliquer. Mais tu vois des gens sortis de nulle part là à venir raconter tout et n'importe quoi. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne savent même pas, franchement, le débat. Non, c'est trop bas. C'est trop bas. C'est trop bas. Je comprends maintenant pourquoi Laurentia dit c'est bon. Je préfère me concentrer sur l'essentiel. Parce que c'est ça. Quand tu es intelligent et puis tu es face aux bêtes personnes, ça, c'est énervant, quoi. Toi, tu as envie d'expliquer les choses, tu as envie de faire bien les choses, mais ils ne comprennent rien. Ils sont là en train de jouer les bêtes, en train de raconter tout et n'importe quoi. Donc, quand c'est comme ça, c'est mieux de les laisser. Et Sylvia, même qui vous donne la force, c'est pour ça que vous avez bougé sur les réseaux sociaux. La seule personne qui vous donne la force, c'est Sylvia. Sinon, les autres, là, ils parlent une fois, deux fois, ils vous laissent dans votre merde là-bas, ils vaquent à les occupations. Parce que, vous n'en valez même pas la peine. Bon.
Mais Sylvia, comme elle n'a rien à faire, là, je pense. C'est pour ça qu'elle avorte jusqu'à présent des années, elle est encore sur le même sujet, ça finit pas. Sinon, franchement, à un moment donné, on passe à autre chose et puis, quoi, tu les laisses là-bas. Donc, voilà, moi je vous laisse parce que le débat, il est trop bas, franchement. Quand tu écoutes ces gens, envie de parler un peu, mais franchement, là, c'est de la merde, franchement. Le sujet, là, vous laissez le sujet, vous partez, prendre autre chose pour raconter tout et n'importe quoi pour embrouiller le monde. Donc, je vais aller voir un peu ce que Aya a dit. On dit, Aya est sortie, elle a parlé encore de momie, tout ça, là. Y aller.